Bonjour à tous, on se retrouve sur Talisman Online. Je viens de me connecter, je regarde mon petit mailbox parce que ça clignote. Bon, mais j'ai eu l'argent. Bon, c'est des petits trucs, j'ai pas vendu cher, j'ai baissé les tarifs parce que je les ai mis à 13 silver, puis ça revenait. Enfin, il y en a un qui revenait, je lui dis, s'il y en a un qui revient, les autres vont revenir. Je suis descendu à 11, c'est parti. Donc c'est cool. 39 gold, je vais vous dire ce que j'ai vendu. J'ai vendu un beau loot, hein. Franchement, je pensais pas que je l'aurais. D'autant plus que c'est le tamer qui a mon délai de tout, ça sert à rien de le garder. De toute façon, ça part automatiquement, vous avez pu le voir. C'est le tamer qui la loot. 49 gold. Ah, ça c'est cool, ça devient intéressant. 49 gold, j'ai vendu ça. Je vais vous montrer, il y en a là-dedans. J'ai vendu un rubis. Vous savez, les rubis pour augmenter les stats et rajouter de la défense sur les armures. Voilà, j'ai vendu un rubis médium. Vous voyez, ils le font à 60. Je sais pas si ça va partir, mais bon. Vu qu'il n'y en avait pas tellement, et je trouvais ça extrêmement cher, je l'ai vendu à 39. Et c'était pas 59, c'était à 50, donc là ils ont monté les tarifs. C'est pas sûr que ça parte. Et j'ai vendu ça, voilà. Il y en a encore. Il y en a un, deux. Voilà. Il me reste deux, ça c'est moi qui le vends. Je sais pas si ça va partir. On verra. Voilà, donc le tamer a fait ce loot. Hein. Vous voyez, regardez, 40. Voilà. Les autres sont super trop chers, quoi, 60 gold carrément. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Mais ben regardez, je suis niveau 30. Niveau 30, et puis je vais inviter. Alors attendez, je regarde tout ce que c'est là, il y a des nouveaux trucs. Il y a une mise à jour du jeu. Donc il y a des. Je dirais pas des nouvelles quêtes, mais ce perso là il est passé sur un PNJ qui lui a filé des trucs intéressants. Il a reçu des gemmes bleues. Donc j'ai fait de l'identification, celui-ci. Vous en recevez 3. Donc si vous avez un perso qui est sur serveur, quoi, vous n'avez pas joué depuis un moment, vous pouvez y aller voir le petit panda, vous savez. Regardez les vidéos précédentes, il y a un panda. Petit panda à côté d'un donjon qui vous donne ça. Mais bon, ça dépend après. Hein. Moi je sais que la quête ne devait pas être faite, il me semble, mais elle a dû être ajoutée. Donc j'ai rajouté du strike hein, sur ça. Ici. Et puis c'est tout. J'en avais une troisième. Est-ce que je l'ai gardée? Non, j'ai. Ah oui. J'ai identifié le 13 vita là. Et regardez, j'ai mis de la pierre. Vous voyez, niveau 3 plus 7 mortal attack et 3 poison attribute damage. C'est des pierres que j'ai drop. C'est pas moi qui les drop, c'est les mobs. C'est des petits sacs comme ça que vous obtenez. Moi c'était des gemmes niveau 3. Vous voyez, niveau 3. Là on a des niveau 5. C'est pas très cher, hein, vous avez vu. 20 silver, donc je les ai pas vendus, je les ai installés. Alors je vous montrerai, on peut y aller même direct. Alors déjà je vais inviter, on va faire la team. Alors il y a un petit bug, je me suis invité moi-même en tant qu'ami, bon, pourquoi pas. Alors attendez, je dis bonjour à la guilde. Je suis dans une guilde, j'ai été invité hier. Alors Naru c'est le troisième perso que j'ai fait, elle est niveau 13. On va faire la team. Oh, elle doit être là. Ah ben elle est juste là. Regardez, j'ai fait une soigneuse, on va dire. Voilà, elle va s'asseoir. Et puis on va inviter le tameur. Voilà. Qui est ici. Elle aussi, elle a du courrier. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ah bah si. Alors, comme je suis niveau 30, j'ai créé ce perso.
Je l'ai tout de suite donc dans le groupe ici. Vous regardez dans le groupe, vous cliquez dessus, puis il y a Apply to Master. Donc j'ai fait un Apply to Master sur lui. C'est automatique, hein, il n'y a pas de quête à aller voir ou à déclencher. Suffit que quelqu'un clique sur vous et faites un Apply Master et puis vous aurez une demande. Et vous irez ici. Voilà, il y a la liste qui sera débloquée et vous faites un approve. Ici, approuve. Voilà. Donc après, le master, il aura ses apprentis ici. Et puis les apprentis, voilà, ont le master ici. Vous savez qui est apprenti pour le master Wizard, niveau 30. Oui, vous avez le nom aussi. Voilà. Deux apprentis, achievement level 6. Alors, il y a des cadeaux. Vous obtenez des cadeaux. D'ailleurs, elle en a un. J'ai gardé pour vous. J'ai gardé ça au chaud. Au frais. Au chaud. Ouais, je sais pas. Dès le départ, vous pouvez commencer à être apprenti à partir du niveau 5. Donc, vous pouvez le faire. Et vous vous souvenez que. Mince, vous vous souvenez que je demandais, mais d'où vient ce tigre? L'autre, il est niveau 15. Il a un tigre. Ben, il est là, en fait. J'ai complètement oublié. Et c'est vrai que dans les premiers niveaux, quand vous passez le level requis, ben, vous faites un report auprès du master qui valide et vous obtenez des cadeaux, en fait. Des cadeaux ici là chez le dans votre mail, vous allez les chercher, ils sont là-dedans, vous voyez, système mail. Donc ça, c'est ce mail-ci, c'est le tout premier, comme quoi vous avez fait une application, que ça a été approuvé. Donc c'est rien, c'est juste un texte à lire comme ça. Voilà, recrute des apprentis, voilà. Donc ça, c'est un reward item de ça, quoi, du maître apprenti. Voilà. Donc vous avez un tigre, ça dure pas longtemps, hein, regardez. On l'a jusqu'au 16, je l'ai eu hier. Voilà, exactement hier, donc on a encore un petit peu de temps. Après, vous ne l'aurez plus. Donc il faut commencer au plus bas niveau, parce que quand vous êtes trop haut niveau, elle l'a pas eu. Elle a eu ça directement. Regardez ça, Basic Curse Crow, parce qu'elle est passée niveau 20, voilà, tout simplement. Et elle a eu 3 gemmes, enfin 3 stones, c'est plutôt des émeralds. Ça, vous pouvez faire des loots, hein, sur les mobs, même les autres, hein, vous pouvez tout loot, hein, en fait, sur les mobs. Mais c'est long. Donc ça, elle en a eu 3. C'est génial, hein. Donc avec ça, vous augmentez vos armes, enfin les talismans, et ça, c'est. J'ai plus de place. C'est malin. C'est pas malin, ça. J'ai plus de place. Alors, je crois qu'elle a une quête. Alors, elle a le donjon à faire. Vous vous souvenez le donjon qu'on a fait, tout premier, tout premier, tout premier, tout premier. Faut qu'elle le fasse. Déjà, elle va se rendre là où il faut. Warehouse. Elle va aller ranger un petit peu son matos. Hop, voilà. Donc elle a eu des Celestial Pearls. Je vais aller lui changer. Bon, elle pourra en avoir que, elle pourra en donner que 20, mais bon. J'ai eu ça en fin de quête, le Burning Hot Bow à droite en vert. Et ça, c'est au max, au 20, donc il va falloir que je me trouve quelque chose d'un peu plus élevé. Ça va être à vendre. J'en ai trop. Ça, je le mets de côté ici. On n'en a pas besoin pour le moment.
Qu'est-ce que je pourrais ranger? C'est tout. C'est tout, c'est tout. On va aller vendre les petits trucs là. On va vendre ça. Sold for gold, ouais. Voilà, ça aussi. Bon, ça ira, je pense. Hop là. Alors, et lui, le master, que gagne-t-il? Ben, le master, il se gagne des... On n'en voit pas, là. On le voit pas du tout. Mais il sait gagner une espèce de petite pastille qui vous donne... qui vous donne de l'énergie ici, voilà. Parce qu'en principe, c'est vrai que, regardez, au niveau 30, il faut qu'on accumule 52 250 énergie. On en est qu'à 13 000. Ça devient long pour monter les armes, enfin les talismans. Là, celui-là est aussi, il est au max. Il va falloir que j'en trouve un autre. Alors, je sais qu'on en a avec les quêtes, mais je ne me souviens plus desquelles. Je sais qu'avec mon tamer... sur l'autre serveur, je l'avais acheté. J'avais acheté son talisman niveau 50. Assassin, wizard. Mais bon, c'est niveau 40. Il est à plus 3, 44 gold. Cher, punaise. C'est vraiment cher. On va aller voir. Petite map. On va aller avec elle, là, Naru. Hop. Et on va vider la boîte email. Le courrier. La boîte postale. Voilà, on la vide complètement. Alors faites pas un delete, hein, parce que cliquez sur l'item que vous prenez, même quand c'est de l'argent aussi, vous cliquez dessus. Hein. Voilà, on enlève tout, hop, voilà, elle va aller ranger tout ça. Hop, voilà, ça c'est instant release, ah non, recover 800 heal points. Retrouver 800 HP instantanément. Bon, on met ça là. On n'en a pas trop besoin. On va l'amener à... Ah oui, elle est que niveau 20. Mais bon, on a des Celestial Perles. On va faire ça. Alors attendez, le plus court chemin pour aller là-bas, c'est par là. Et... Voilà, on va faire ça. Donc elle, elle est trop haut niveau, donc elle n'a pas eu de tigre. Mais si vous commencez un perso solo, vous le montez niveau 30. À partir du niveau 30, vous commencez à faire votre team. Comme ça, ils auront tous les cadeaux, tous les trucs. Et puis, vous aurez des personnages bien boostés, quoi. Après avoir galéré avec un pour en arriver là, donc les petits sacs là que je vous disais, je les ai eu ici dans cette zone sur les, on va aller voir les mobsters parce que j'ai des quêtes en boucle ici là que j'ai fait pour monter la réputation tout simplement avec lui. Donc là, je vais aller donner, mais j'en donnais que 20, et il en restera 18, c'est dommage. C'est bien dommage. Donc il faut qu'elle se fasse ça en boucle. Alors, on va aller voir, je sais plus comment il s'appelle.
C'est pas Bruce Lee, mais. Comment il s'appelle déjà? Immortal Lee, voilà. Voilà, on fait cette quête. Vous voyez, c'est ce qu'on obtient. On a 50 silver et puis ça. Voilà, ça donne de l'expérience. Mais c'est du one star hein, avec mon mage. Enfin, le wizard, je suis monté à un gold et puis j'en touchais plus puisqu'on touche là. On va chercher les one stars et après vous faites les two stars selon votre niveau. C'est jusqu'au niveau 25, je crois, les one stars. Voilà, hop, on valide la quête. Voilà, j'en ai donné 20. Voilà, il nous en reste 18. On peut pas les faire. Je crois qu'il y en a pas là. Je sais à peu près où en chercher, mais il n'y a pas l'event encore, je crois. Et ça, voilà, c'est de l'XP. Alors on est à 57, 93, 89, 69. Ah, on s'est pris plus de 10%. C'est très bien. Très très bien. Alors, quand vous en avez 60, vous les enlevez, vous montez en niveau vite hein, avec ça. Alors elle va aller. C'est où ça? Alors non, on va plutôt retourner. On va la TP. Ah, il y a quand même des pets. Alors, c'était où? Bon, mais on va aller là. C'est pas grave. Et d'ici, on peut. Ah non, on peut pas. Ah si, Stone City. Non, on peut pas en fait. Sand. On va faire Sky Village. C'est pas grave. Et d'ici. Voilà. Je crois qu'on l'avait déjà, Tiger Mountain. Alors. On va se faire ça. Non, on va pas le faire. Non, on va la laisser là. On va faire les quêtes avec les autres. Elle va squatter là. Pour le moment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Follow. C'était quoi? Ouais, c'est ici, d'accord. Donc, bon. Bah, le wizard va tout taper, puis elle va ramasser. Ok. Vite, hein. Bon, il XP rien, lui, il doit XP quoi. On va regarder 5 expériences de énergie. C'est que dalle. Il en faut uniquement 5. 3. Voilà. Je crois que c'est bon là. Il me semble.
4. Et 5. Voilà. Ensuite, Elite Flying Centipede. Ah, ça c'est le donjon. Tout ça c'est le donjon. Bon, elle va y aller. Et lui, il va la rejoindre. Le donjon est là. Exactement. Donc, hop, on l'amène. Voilà. Par contre, je vais pas vous... On va couper au donjon. Vous le connaissez déjà, je vais pas vous le remontrer. Et elle va se faire une quête, mais je ne sais pas laquelle, parce que ça et ça c'est du donjon, elle peut pas le faire là pour le moment, elle ne peut pas. Alors lui, quel genre de quête il donne? Parce que je sais que j'en ai déjà fait pas mal en Tiger King, et ça aussi c'est du donjon qu'elle ne peut pas faire. Ratankev, non, c'est trop. Alors oui, les donjons sont ouverts pour votre niveau, mais c'est des donjons qu'il faut vraiment faire en team, quoi. Donc tout seul, laissez tomber. Hein, c'est... Ou alors, faut, comme je vous l'ai dit, faut vraiment prendre en niveau. Je lui ai fait faire le donjon, vous vous souvenez, il me fallait 5 sangs de serpent. Il fallait que je fasse un donjon, et puis bon, on n'était pas loin de perdre, je l'ai raté. Je suis mort plein de fois, et bon, vous finissez par vous perdez de l'XP, hein, donc j'ai arrêté. Et à son niveau 29, j'ai commencé à le faire. J'avais complètement oublié de débloquer les sorts des talismans. Celui-là c'est fait, on frappe avec, mais il y a cela aussi. Mais oui. Donc j'avais ça. C'est une protection, hein. On a 245 points de défense en plus. J'avais complètement zappé cette partie du jeu. Complètement. Complètement, complètement. Donc, bon, il a toujours pas son deuxième talisman, il en faudrait un autre. Ça, c'est un sac que j'ai ouvert, il va falloir que je le mette. Voilà, c'est des petites pierres comme ça que vous mettez après, là, comme vous le voyez. Vous pouvez le mettre sur tout, hein, il me semble. Et vous voyez, amulette, bottes, genouillère, belt, armor, voilà. C'est plutôt elle. Il lui faudrait une quête. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Quand vous savez pas vraiment, vous cliquez ici sur le point d'interrogation Level Up Tips. Quelle quête je peux faire? Et là. Elite. Hunter Mountain. Non, non. Ratan Cave, scénario, non, c'est du donjon. Cloud Mountain, Centipede Disaster. Ah ouais, non, c'est des quêtes répétitives. Pour la réputation. Mais j'ai ça remarqué, mais c'est que de la répute, quoi. Ouais. Je crois qu'elle va retourner. Elle va retourner à Wooden Camp. Où on a démarré. Voilà. Ici. Et elle va aller se choper des quêtes là-dedans. Je pense, ouais. On va faire ça parce que je crois qu'elle a quasiment rien fait. Vous voyez?
Et même si c'est pas intéressant que je prenne ça, puisque je suis déjà niveau 20, on va au moins avoir l'XP et puis l'énergie. Et les sous. Voilà. Puis une quête à faire, hein. Solitary Ghost. C'est quelqu'un qu'on doit aller voir. Voilà, lui c'est des quêtes de réputation. Non. Ça non plus, mais c'est en boucle. Ça type est de 20, réputation aussi, quoi. Et l'autre, c'est une quête de répute, mais en donjon. Non. C'est long parce que vous êtes obligé de faire au moins deux fois le donjon. On va aller voir lui. Il est là-dedans, là. Donc on aura d'autres quêtes, ça va être sympa. Bon, par contre, moi, ben, je vais faire ce petit donjon pour elle. Et on se retrouve la prochaine fois. Après ça, c'était bon la petite vidéo. Hein. Elle est pas très longue, mais bon, vous avez vu le changement. On va se faire un. Alors elle, j'ai pris sur un compte où j'ai un vieux perso sur Genesis. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est en avoir un quatrième. Voilà. Il va falloir que je retrouve tout ça. Parce que comme j'ai pas touché depuis 2 ans, ben, il y a des comptes que je ne connais plus. Voilà, allez. On se retrouvera la prochaine fois après la fin de donjon. Et je sais pas ce qu'on va faire après, hein, quand même. Parce que je pense qu'on va monter avec elle. On va continuer avec elle et puis on continuera aussi, surtout avec lui, quoi. Voilà. Et puis on ira faire aussi un tour. On ira faire un tour sur Genesis pour voir mon tameur qui est niveau 52. C'est lui. Pourquoi tu vas si loin? Voilà, on ira le voir. J'ai lu qu'on pouvait être VIP à partir du niveau 75. Ouais, ça fait partie du donjon. Bon, on le prend. On prend tout. Vampire Ghost. Bitter Elf, tout est là. Donc si vous voyez pas les quêtes s'afficher, c'est parce qu'il y a une limite d'affichage. Vous êtes obligé d'aller là. Et vous voyez qu'elle peut pas, je clique mais ça marche pas. Donc ce qu'il faut c'est vous décocher, tiens celle-ci par exemple, vous en décochez une et vous cochez celle qui vous intéresse le plus. Celle que je viens de décocher c'est le donjon là juste à côté. On le fera à deux. Voilà. Bien, on se retrouve la prochaine fois. Hein. Merci d'avoir regardé et portez-vous bien. Salut à tous. Je crois qu'elle a changé de pet. Parce que l'autre, il a perdu en. Eh ouais. Parce que l'autre, il a tout perdu en happiness. Et en fait, le truc, c'est quand il n'y a plus rien, ben, il sort, vous le sortez, mais il re-rentre. Peut pas rester avec vous, donc je l'ai largué. Ça fonctionnait pas, je comprends pas. Ça ne fonctionne pas pour ça, il doit y avoir autre chose. Ça a dû changer encore.